plein valeur de Touche pas à mon podcast. Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour le 7ème numéro de Touche pas à mon podcast. Et avec moi, il y a Slime. Salut à tous. Decker 04 08 09 12 15 32. Mais ta gueule, arrête de dire des conneries, et sinon, salut à tous. Et j'ai envie de dire alléluia. On l'a retrouvé. Ouais, c'est pas beau ça quand même. Salut, si, mais enfin. Aka Jason. Bonjour. Donc, on va parler. Donc déjà, je m'excuse pour la qualité de mon micro. J'ai dû changer de micro parce que l'ancien est cassé. Donc désolé pour ça. Ensuite... Non mais ça va quand même là. Ça va. Ouais. Bon, tant mieux. On va commencer de suite avec les gros changements comme vous pouvez voir. Alors regardez la vidéo et hop, qu'est-ce qu'il y a ? Nouvelle image. Et oui, la nouvelle image du Touche pas à mon podcast. Donc déjà, je tiens à remercier un graphiste, hein, pour une voix que c'est pas Slime. Nanana. Bref. Et qui a fait du très bon boulot quand même. Et Bah tu l'as fouetté en même temps pour qu'il le fasse et tu l'as martelé jusqu'à 3h du matin. Il a fait ça à 3h du matin. J'étais témoin. Pas 2h quoi, donc le pauvre. Bah, mais il a fait du très bon boulot, je le remercie. Ensuite, nouveauté. Pour l'instant, vous avez rien entendu. Ah si, vous avez peut-être entendu le mémorable match. Mais fini les musiques. Maintenant, c'est le jingle avec notre voix off. Incarné par Soyuz. La voix de la FWE. La voix. Voilà, mais je pense qu'on peut commencer directement avec les news. Bah, et bien au fait, je sais pas pourquoi t'as dit ils ont déjà entendu le Memorable Match, parce que ça sera dans la suite d'ailleurs de l'émission. Ils ont déjà entendu le jingle du Memorable Match. Ah ouais, pendant le live, sûrement. Ah oui, c'est vrai, une fois, c'est vrai, je m'en souvenais plus de ça. Bah allez. Hop, allez, on part de suite sur les news. Hop, tout de suite. Toute l'actualité du catch, c'est maintenant. Et voilà. Bref, je laisse. Quelle voix Soyuz, incroyable. Grave, ça s'est embrouillé. J'ai quelques news. Bah écoute, de toute façon, je vais vous le laver. On a des news complètement merdiques en ce moment. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Mais bon, je vous ai quand même trouvé quelques trucs et je pense que ça va vous plaire. Alors, bon déjà, au lieu de parler toujours aussi de la WWE, on parle jamais non plus de NXT. Et pourtant, il y a des trucs pas mal aussi qui se passent là-bas. On a eu donc récemment, on va dire qu'un match qui a été franchement classé comme un très 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 bon match, je m'explique. Ça date de... On est quel jour ? On est vendredi. Donc ça date donc de hier jeudi que... 11 juillet, ouais. Où il y a eu un match qui opposait donc Sami Zayn contre Antonio Cesaro. Donc bien sûr Sami Zayn, donc je reprécise, c'est El Generico en fait. Et ce match donc a été scandé donc meilleur match de l'année donc par la foule qui était présente et franchement donc tout le monde était très ravi de ça. Et d'ailleurs donc plusieurs personnalités donc en backstage donc ont élu donc aussi ce match comme l'un des meilleurs matchs de l'année voire même de la décennie, c'est pour dire. Donc franchement donc si vous pouvez donc aller donc le revoir parce que il était très intéressant. Ouais, j'ai envie d'aller faire un tour moi d'ailleurs le voir. Voilà, donc et toujours en parlant de NXT, donc en même temps il y a un petit changement. On a une nouvelle équipe de commentateurs là-bas, donc qui est composée maintenant de Alex Riley et Tom Phillips. En même temps j'ai envie de dire Alex Riley fallait bien caler dans quelque chose quoi. Et en parlant aussi en rapport avec la NXT, l'ouverture du Performance Center, je sais plus quoi. Oui, donc en fait le Performance Center, donc c'est un centre donc qui accueillera donc tous les petits genoux en fait de la fédération et en fait donc ça a surtout les aider à progresser, donc on a donc salle de musculation, plusieurs rings, donc je pense que c'est pas mal comme idée quoi. Sinon vous l'avez vu vous le match à NXT en question dont je parlais avant? Non. Non plus. Mais franchement mais je vais essayer de me renseigner parce que moi en plus en fait je l'ai pas vu, j'ai vu la news passer mais ça doit être pas mal du tout. Ensuite, voilà, donc je voulais en venir là. On aura donc un match maintenant, donc qui va se dessiner pour WrestleMania 30. Alors,
bien sûr, c'est encore à prendre avec des pincettes. Donc WrestleMania 30, donc déjà, donc on aurait, donc je l'avais déjà dit donc dans le dernier pod, donc déjà un match donc qui opposerait soit John Cena, soit Brock Lesnar à The Undertaker. Ça déjà, donc il y aurait un plan là-dessus. Et ensuite, donc le deuxième match donc qui se dessinerait, ça serait Vince versus Triple H à WrestleMania 30. Mouais. Vous en pensez quoi, vous? Si c'est pour se couper les cheveux encore, on voit pas l'utilité. Enfin, après, peut-être que ça donnera bien, quoi. Je sais pas, Slime, tu en penses quoi, toi, par exemple? Et je vois bien pas le match un arbitre spécial, hein. Oui, c'est sûr, ouais. Ça pourrait être quand même. Bah, après, justement, en parlant de ça, justement, bah, tu me fais bien de me le rappeler, parce que l'arbitre spécial, il y en aurait un, et ça serait Stéphanie. Donc, okay. Elle ferait en fait qu'elle tranche entre son père ou son mari. Ok, bah, j'étais même pas au courant qu'il y aurait un arbitre spécial. Un peu du déjà vu, mais je me trompe. On a eu un match dans le genre, c'était pas tout à fait la même chose, mais on a eu déjà un match dans le genre il y a quelques années, effectivement. Et puis après, s'ils veulent mettre le match à WrestleMania 30, il va falloir la faire sur la durée, la story, alors. Putain. C'est clair, parce que alors là, ça va durer encore 6 mois quasiment, quoi. Voilà. C'est vraiment énorme. C'est sûr, c'est une bonne chose pour WrestleMania, mais il va falloir faire durer le truc, hein. C'est putain. Ouais, effectivement. Bon, ensuite, on a donc aussi donc des rumeurs à propos de WrestleMania 31, voire 32, carrément. Ah. Tant que je parlais de WrestleMania. Ouais. WrestleMania 64, ça veut déjà voir qu'ils vont le faire. Donc le WrestleMania donc 31, donc voilà où il se passerait normalement. Peut-être que ça serait donc dans un stade donc qui est encore en construction à l'heure actuelle. Ça serait le Levi's Stadium à Santa Clara en Californie. Donc qui ouvrira ses portes pour un Super Bowl et donc normalement donc devrait aussi donc accueillir le WrestleMania 31. Donc il a ses designs, je dois dire, mais pas très très grand, ça me surprend d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'en ce moment la WWE elle cherche plus à prendre vraiment de gros stadiums, quoi. C'est bizarre parce que entre franchement le Sun Life et le MetLife qui étaient franchement des trucs énormes, déjà là WrestleMania 30 au Mercedes-Benz, ça fait petit, quoi, je trouve. Ouais. Après, on va savoir s'ils peuvent pas faire autrement, quoi. Ah, voilà, ils ont peut-être des petites restrictions et tout. C'est la crise pour tout le monde. Oui, c'est sûr. Mais bon, en même temps, pour Vince, la crise, bon, voilà, ça reste à voir, quoi, tout ça. Parce que Vince, avoir la crise, quand même, ce serait quand même assez aberrant, ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc par contre, donc on en reviendra plus tard aussi dans la soirée, mais j'ai lu une news, je vous la fais partager, à propos de Rob Van Damme. En fait, Rob Van Damme, donc on avait tous cru donc que c'était WWE qui avait profité donc de la fin de son contrat à la TNA pour venir en gros le repêcher, quoi, pour puis en plus le faire profiter aux fans donc pour un pay-per-view tel que Money in the Bank, on est bien d'accord. Mm. Et ben en fait, ce n'est pas le cas, apparemment c'est lui-même qui aurait contacté la WWE pour revenir. Ah, t'avais pas. Ouais. Donc en fait, donc ce serait, il y aurait eu un arrangement en fait avec Triple H, apparemment, donc ils se seraient donc convenus l'un l'autre pour que ce soit, en fait, faire en sorte donc que son contrat à la TNA donc finisse et que qu'il revienne en fait à la WWE, mais comme ça, parce qu'il vient vraiment de son plein gré. Ouais, enfin, c'est surtout peut-être pour les frics parce que la TNA, voilà, c'est en manque d'argent, je pense. C'est ça. Ouais. Ah, mais en fait, après. Ouais, j'allais dire un truc, mais non. J'allais dire, s'il revient pour l'argent, j'allais dire, il peut faire les petites trucs, petites fédères indépendantes et tout, comme ça, il y aurait quand même de l'argent. Parce que là, revenir directement dans le grand bain, on va dire, bien. Bah, de lui-même. Il revient pour se faire au taquet de fric, c'est tout. Alors, moi, perso, j'aurais fait comme lui, mais bon, je trouve ça dégueulasse envers les fans, et je trouve ça dégueulasse aussi, surtout, voilà, malgré que ça soit un bon catcheur, voilà. Moi je suis de l'avis de Kevin, pour ma part je trouve que le retour de Rob Van Damme est assez abusé parce que bon, en gros ça me refait vite fait penser à du Hulk Hogan, du genre la WWE c'est ma vie, la TNA c'est ma vie, puis après je reviens à WWE c'est ma vie. Ouais, c'est assez lourd quoi, moi je trouve, mais bon. Je sais pas, Soyuz, t'es du même avis toi? Exactement. Ouais, franchement je trouve ça lourd, c'est. Après il reste à voir comment ça va se faire Money in the Bank et dans les prochaines semaines. De toute façon, ce qui avait déjà été annoncé, c'est que Rob Van Damme revienne, mais qu'en plus de ça, il nous fasse un contrat à la Brock Lesnar ou à la The Rock, où il revient vraiment par intermittence. Donc vraiment, donc c'est quoi l'utilité au final, quoi.
Donc, normalement, Rob Van Dam n'est pas prévu comme une superstar, on va dire, présente à tout. Voilà, à temps plein, ouais, c'est ça le problème. On verra bien. Enfin bon, c'est sûr, on verra bien. Pour les news, il t'en reste encore ou c'est bon? T'inquiète, j'en ai encore une ou deux. J'en ai une, on va dire, majeure pour les fans de Chris Jericho. Chris Jericho qui d'ailleurs donc, devrait arrêter son contrat ou tout du moins le mettre en pause avec la WWE le lendemain donc de Money in the Bank. Il devrait partir donc sûrement donc le Raw le lendemain et reprendre ses tournées avec Fozzy. Donc vous ne le verrez plus et normalement on devrait même peut-être même pas le revoir avant WrestleMania 30 et encore on ne sait pas. Oh, ouais, quand même. Ça ouais, c'est con. On le reverra jamais quoi. Bah si ça fait comme il y a deux ans, voilà, après le problème il va encore partir un an et après il va revenir, on pense que c'est chiant quoi. Ouais. Ensuite, j'ai encore une news pour vous. On a Paul Heyman à chaque fois donc il fait donc son petit truc de son côté, mais on a aussi Vicky qui fait aussi son petit business maintenant. Et elle a recruté un nouveau petit catcheur pour elle qu'elle va manager. Devinez qui c'est. Vas-y, allez, non. C'est Ryback. Ah ouais, d'accord. Donc Ryback donc sera managé maintenant par Vicky Guerrero et rentrera normalement avec elle. J'ai bien dit normalement. Tout le ton alors maintenant il va faire. Oui, c'est ça. Tout le petit câlin qu'il y a eu à Raw l'année dernière. Ouais, voilà. Ah oui, il y a aussi donc, je voulais aussi parler de ça absolument. On en avait parlé donc en début de semaine donc dans le live Before the Show, mais donc du coup on n'a pas pu l'aborder, mais on le réabordera sûrement lundi voire demain même aussi pendant le live, voilà, merci. Avant Money in the Bank, mais alors on a eu donc aussi les débuts de la Wyatt Family, enfin. Ah ouais, enfin. Les débuts de la Wyatt Family où en fait ils sont rentrés pour tout simplement saccager Kane, ni plus ni moins. En gros, c'était ça le principe que j'ai envie de dire. Hein. Je veux dire, la plupart des débuts, c'est la même chose, je veux te dire. Faut marquer le coup et surtout, faut bien niquer, on va dire, une ancienne légende. Enfin, on va dire, ce que Kane, je confère quand même comme légende. Comment. Pareil. Surtout avec des catcheurs comme ça qui viennent de la NXT, des trucs du genre. Oui, voilà. Comme The Shield. Ouais. Nexus. Oh, okay. Oui, voilà, c'est sûr, Nexus, ouais. D'ailleurs, Nexus, j'ai toujours regretté qu'ils aient fini comme ça, au final, ouais. Avec Punk, je trouvais ça complètement con, moi. Mais... Un gros carnage au niveau de moi, j'adorais ça. Ah, pareil. Il y aurait eu moyen de faire quelque chose de vraiment meilleur, mais bon, voilà. Ça a été gâché, quoi. C'est fait, quoi, on peut rien faire d'autre. Mais franchement, avec la Wyatt Family, leur entrée, franchement, elle fait un petit peu peur. J'aime bien. Ça fait un gros truc de barbares bûcherons qui vont t'attaquer. Imagine la scène, tu vois, genre des mecs avec des tronçonneuses, limite, on va venir te couper la bite. Enfin bon, voilà, c'est un peu le principe, quoi. Franchement, c'est un peu le truc, quoi. Franchement, leur entrée, elle est super kiffante. Mais je pense que ça va faire un beau trio de destruction, tout ça. Franchement, ça va être bien. White Family vs The Shield. Ouais, mais j'y ai pensé surtout que ça ferait un 3-3 quoi, donc ouais, ça pourrait être pas mal. Et après dans The Shield, il n'y a pas vraiment de boss, on va dire. Sans peu près sur les trois. Je sais pas, moi je trouve par contre que quand même t'en as deux qui ressortent plus que les autres, c'est Dean Ambrose et le deuxième je trouve que c'est Roman Reigns qui ressort plus que et je trouve que c'est bizarre mais comment il s'appelle le dernier, c'est son nom s'échappe et en plus je l'avais il y a deux secondes Seth Rollins. Seth Rollins, je le trouve un tout petit peu à l'écart par rapport aux deux autres. Je sais pas pourquoi, ouais. Après c'est peut-être une impression personnelle hein, mais je le trouve un tout petit peu à l'écart. Je sais pas. Ouais. J'ai pas forcément remarqué. Non plus. Je sais pas, c'est peut-être moi qui me fais une idée comme ça, mais bon. Sinon, je vais vous avouer donc que niveau news, on n'est pas gâté en ce moment. Ah si, mis à part une dernière chose. Mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde qui va y aller. Mais bon, on sait jamais hein, s'il y a des fans qui nous écoutent et qui vont à SummerSlam. Il a sorti des billets donc qui a été donc récemment ouvert donc pour le SummerSlam Access, donc oui, parce que c'est comme le WrestleMania Access, c'est exactement la même chose. Donc ça sera donc le samedi 17 et le dimanche 18 août, donc toujours au Los Angeles Staples Center, ça change pas voilà, et ce sera aussi donc au Nokia Plaza. Cette année ils font ça dans deux salles, me demandez pas pourquoi, mais en tout cas ils font ça dans deux salles à côté.
Voilà, je pense que c'est un truc comme ça. Donc il y aura juste deux sessions le samedi et une seule session. Franchement, c'est petit, hein. C'est pas comme le WrestleMania. Ah, c'est il y aura pas, ouais, il y aura pas donc de VIP. C'est pas comme le WrestleMania. Il y aura juste une séance de signature, on va dire gratuite. Enfin, forcément avec le prix donc du access, mais je veux dire, mais c'est pas les VIP. Et quelques VIP seront distribués, mais ce sera vraiment à l'arrache. Et donc le jour même là-bas, et ce sera en édition limitée. Voilà. Sinon, mis à part ça, je n'ai rien d'autre à ajouter. Ok, et bon, bah, je n'ai que les pronostics de Bank. Money the Bank, j'arrivais pas à sortir de ma bouche. Donc, ça se trouve juste après le jingle. À tout à l'heure. Débat, pronostics et bonne humeur, c'est tout de suite. Je vais te sodomiser, te couper la... Bip. Voilà. La voix me fait toujours rire. Le bonne humeur. Genre si vous êtes pas content, on vous défonce ici. J'espère que vous avez la carte sous les yeux, parce que moi je ne l'ai pas, bien sûr. Oui, bien sûr, je l'ai, bien. Ah, ben vas-y, moi, vas-y, fais-toi plaisir. Allez. Donc par contre, les matchs que je vais vous annoncer donc seront dans l'ordre cette fois-ci. Donc, on fait ça assez rapidement pour qu'il y ait quand même le temps pour le memorable match. Hein. T'inquiète, ça marche. Alors, donc en pré-show, on aura The Shield, donc mais The Shield pas au complet. Seulement Seth Rollins et Roman Reigns versus The Uso. Donc pour le tag team championship. Ouais. Pour tag team championship, voilà. Vous voyez qui gagnant là-dedans? Avec la Wayne Family qui vient d'arriver, je vois bien Seth Rollins et ouais, bah pareil, The Shield pour ma part. C'est tout pingouin. Ouais. Bah moi pareil, je vois bien The Shield pour la simple et bonne raison qu'après pourquoi pas une feud The Shield versus Wayne Family, juste pour ça. Ouais. Tout simplement. Et Soyuz? Tout la même chose. Ouais. Soyuz? Je pars à mon avis là-dessus. Bon, bah voilà. Il va dire, là, je suis pas bouché. Alors, premier match de la soirée lors du prochain show, enfin, pay-per-view plutôt. Ce sera John Cena, donc le champion actuel, versus Mark Henry. Match simple pour le WWE Championship. Je sais pas pourquoi, mais John Cena va gagner. Bah forcément, attention, ça sera John Cena. Je vois pas pourquoi Mark Henry gagnera le titre. Hein. C'est complètement absurde. Je pense que Soyuz, il aura pas plus d'explications non plus. Mais faut pas chercher la logique dans ce genre de truc. C'est Cena qui gagne, voilà. C'est voilà, bon, c'est tout. Voilà. Mis à part énorme surprise et encore, j'ai des doutes. Non, c'est Cena qui gagne, c'est tout. Slide. Ah, pareil. Franchement, voir Cena perdre pour le titre. Complètement bête. Donc voilà. Sinon. Bon bah je pense exactement à la même chose aussi, hein, voilà. Deuxième match de la soirée, on aura Alberto Del Rio, actuel champion, versus Dolph Ziggler, match simple pour le World Heavyweight Championship. J'ai pas d'avis là, je sais pas, je suis 54%. Moi je suis Alberto Del Rio. Tout simplement, et tout simplement pour quelle raison? Bah parce que je préfère lui à Ziggler, c'est un choix personnel, c'est tout. Voilà, c'est... J'ai rien d'autre à ajouter pour ma part. Parce que sinon, si je dois chercher une logique là-dedans, bah, je sais pas ce que la Fédé va faire. Donc, je sais pas du tout. Non, franchement, je sais pas. Je vais pas me prononcer là-dessus. Moi non plus, c'est pour ça que je te dis 50-50. Ouais, bah, on va dire par préférence personnelle, ouais, ce serait Alberto. Moi, niveau résultat, je vois pas vraiment qui sortir gagnant. Mais je vois bien Ziggler prendre sa grosse revanche, quand même. Éventuellement aussi. Par rapport à Payback. Je vois bien prendre sa grosse revanche. Mais après, niveau gagnant, je sais pas trop. Moi, c'est choix personnel. Ouais, moi, ce serait Alberto. À moins qu'il y ait un gagnant et après que celui qui a gagné le match Money in the Bank, il l'encaisse directement. Mais bon, à part ouais, ça, éventuellement. Pas grand chose. Alors ensuite, on aurait. Alors attends que je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est bien ça. Le Money in the Bank All Stars Ladder Match pour la mallette du WWE Championship. Donc pourquoi All Stars? Tout simplement parce qu'en fait tous ceux qui vont y participer, donc ce sera donc des anciens champions de la WWE Championship. Juste pour okay. ça. Alors, dedans, donc on a CM Punk versus Daniel Bryan versus Rob Van Dam versus Randy Orton versus Christian versus Sheamus. Et voilà où je voulais en venir. Versus Kane. Mais Kane ne sera pas
ne sera pas au Money in the Bank donc cette année. Pourquoi? Bah parce que avec l'attaque qui s'est passée lundi avec la Wyatt Family, Kane apparemment a été blessé et donc ne peut participer pour raison médicale au Money in the Bank. Et pour l'instant, qui est-ce qu'il remplace? Eh ben on ne sait pas. Donc Certaines news traînent et disent que ça serait Vicky Guerrero. J'ai un peu du mal à Et ta connerie, ouais, c'est Vicky aussi. Avec la WWE, on peut s'attendre à tout en fait. Oh non mais moi personnellement, ouais, mais je vous le dis tout. Allez, moi personnellement, je vous le dis tout de suite. Niveau en plus échelle, il est franchement, c'est, il n'y a pas mieux que lui. Je vois en sa gueule direct. il y a pas à chier. Ou le gars de Cali éventuellement. Il y a pas à chier. On n'en parle pas. Rappelez-vous que Rey Mysterio était annoncé pour le. Rey Mysterio, il est crevé, il est enterré. Attends. Lui, il creuse sa tombe, tu vois, et lui, il se met même la terre dessus en ce moment. Non mais on a vu des news comme quoi il serait de retour à Money in the Bank ou même SummerSlam. Pourquoi pas un retour possible, hein, je suis pas pour, parce que pour moi il est foutu au niveau de son genou, donc je suis pas pour, mais pourquoi pas un retour comme ça sans savoir qui c'est en fait celui qui va remplacer Kane. Bah, c'est ça qui va se passer, hein, mais après franchement c'est vrai que pour un retour franchement si c'est Rey Mysterio, alors là moi je placerai mon fameux c'est pas piqué en mode sur le ring. Parce que franchement avec son genou, mais il je le vois mal refaire un match avec une telle ampleur de dangerosité, c'est pour son retour, il est prévu pas pour tout de suite, il est prévu faire fin août, un truc du genre. Franchement, je sais pas du tout qui mettre là-dedans, moi, dans le Money in the Bank, j'ai aucune idée. Et s'ils veulent garder le truc All Stars avec que des anciens champions, il faudrait quelqu'un qui était ancien champion de la WWE. Et à part Rey Mysterio et Mais de toute façon, pour moi, après, je vais te dire, mon avis sur le gagnant ne change pas, vu que c'est pour la maille du WWE Championship. Et pour moi, le gagnant, ce sera Daniel Bryan. Pourquoi pas, ouais. C'est la même chose. Et toi, Soyuz, t'en penses quoi? Pareil que toi, franchement, je vois Daniel Bryan. Moi, je vois très bien Daniel Bryan, franchement, gagner la mallette. Jason est en train de mourir, là. Des milliers de kilomètres nous séparer. Il est en train, il a mis plusieurs mois avant de nous rejoindre. Bah là, il vient juste de rentrer à pied, là. Ouais, excusez-le de sa fatigue et voilà. Merci. Et en fait, on se garde la bouche actuellement. Oui, en plus, juste. Salaud. Alors ensuite, on a le match, quatrième match de la soirée, donc match simple pour la WWE Intercontinental Championship qui opposera Curtis Axel, champion actuel, versus The Miz. Vous? The Miz champion. Bah moi j'en pense exactement pareil, tout simplement pourquoi? Parce que j'aime bien The Miz. Voilà, j'ai pas d'autre argument. Je suis pas Soyuz. Pareil, The Miz. Bon, voilà, je m'en doutais aussi. Et c'est là que The Miz, là... Bah justement, et pourquoi pas lui donner un tout petit push? Stop. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je m'excuse, alors je ne sais pas comment ça va rendre à l'enregistrement, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. J'ai eu un léger bug, donc on a entendu ta phrase répétée au moins une bonne dizaine de fois. Donc on en était à Jason qui donnait son avis, juste après, vite fait qu'on recommence au cas où qu'il y ait un bug. Donc Jason, donc il donnait donc son avis, c'était ça? Oui, non, Jason avait donné son avis. D'accord. Sur toi. Bah non, parce que moi donc j'avais dit que je m'en doutais donc de ce qu'allait dire Soyuz, et donc du coup après donc je donnais la parole à Slime. Voilà. Moi je disais sur pour The Miz, je vois pas vraiment pourquoi il gagnerait, parce qu'il y a pas vraiment beaucoup de matchs. Je pense qu'ils ont mis le match pour le Intercontinental Championship juste parce que Miz en ce moment il est que là-dedans, donc après même... niveau gagnant je vois quand même Curtis Axel pour une victoire en pay-per-view, mais après je
Bah après, pour ma part, moi, pour que The Miz, bon, c'est parce que premièrement, je l'aime bien, et deuxièmement, je me dis justement que justement, il est trop à l'arrière en ce moment, et pourquoi pas lui donner un petit coup de push, parce que ça fait chier quoi, de le voir toujours à l'arrière après tout. Ouais, mais ça serait encore un push pour le Intercontinental Championship, c'est un peu long. Bah c'est pas grave, au moins ça sera un petit push quand même, parce qu'il le mérite quand même ce mec-là, on l'a complètement délaissé. Moi, ça, franchement, tu vois, ça me fait trop chier de voir des mecs comme ça qui, quand je me dis, RSM et A20, ils étaient en main event, pour la ceinture, et là, ce coup-ci, ils sont considérés limite comme sous-merde, quoi. Alors, franchement, ça me fait chier de voir des mecs comme ça. Bah, c'est ça, la WWE, malheureusement. Ouais, malheureusement, oui. Et The Miz, franchement, ça me fait chier pour lui, parce que je trouve qu'il a quand même pas mal de talent, quoi, comparé à certains qui sont là, en main event, en plus, et qui ne branlent strictement rien, mis à part trois mouvements. Mais bon, si, mais pour ça, je n'y reviendrai pas. On enchaîne avec le prochain match? Et j'enchaîne avec le prochain match. Alors, le prochain match, ce sera le Money in the Bank Ladder match pour la main du World Heavyweight Championship qui opposera White Barrett versus Cody Rhodes versus Damien Sandow versus Dean Ambrose versus Fandango versus Jack Swagger versus Antonio Cesaro. J'ai envie de dire Jobber! Oui, en effet. Jobber est 100% nul. Bah, je sais pas, écoute, moi là-dedans, qu'est-ce que je vois bien gagnant? Bon, Chris Benoit. RIP à lui d'ailleurs. Non, sinon, sincèrement, qu'est-ce que je vois gagnant là-dedans? Si je vous dis Fandango, vous allez me croire? Non, c'est pas crédible. Alors, soit ce serait Jack Swagger, soit ce serait Antonio Cesaro. Ouais, un des deux. Il y a un gros blanc. Et Agroba, vas-y, Slime, vas-y, donne ton avis, on te laisse la part. Je vois pas vraiment trop de gagnants, mais sûr, il va en avoir un, c'est obligé. Mais après, en gagnant, je vois pas qui, c'est que des L. Donc, pourquoi mettre que des L là-dedans? Je vous ai pas dit, en plus, c'est que des jeunes à part, hein. Tu me dis, Cody Rhodes, il est pas heal? Yeah. Si, c'est vrai, tu me diras. Dean Ambrose aussi, Fandango il est considéré normalement comme par le segment qu'il y a eu à Euro ou ouais, c'est vrai, tu me diras. Fandango. Je sais pas, Soyuz, tu es là? Oui, normalement, je pense que oui ou non, en fait peut-être pas, je ne sais pas. Il est au travail, ouais, là, je vais le laisser. Ouais, il est pas là. Bon, donc, mais sinon, après moi, pour donner mon gagnant, on va dire, entre parenthèses, j'aimerais bien quand même soit Dean Ambrose ou Wade Barrett. Dean Ambrose ou White Barrett, ouais. Ouais. Bah Dean Ambrose, en fait, moi j'aurais bien dit ça aussi au début, on va dire par choix personnel, parce que j'aime bien The Shield et je pense aussi qu'il mérite, mais le problème c'est que comme il a déjà une ceinture, bon, ça peut pas le faire. Ouais. Ouais, donc, à moins qu'il le perde la même soirée. À moins qu'il le perde la même soirée, donc là dans ce cas-là ça devient possible. Mais il a pas de match. Comment tu veux qu'il la perde la même soirée? Ouais, il a pas de match avant, donc ça serait. Ouais. Ah ouais, mais à moins qu'il y ait un match surprise éventuellement, je ne sais pas, ça se fait toujours. Ah mais là vu les matchs qu'il y a, je pense, tous les matchs surprises, enfin surtout le. Je pense qu'on va y venir après pour le match des Divas, à part un match surprise. Oui, bah oui, donc là j'y viens justement en parlant ça. Donc et sinon, je pense que. Ah bah voilà, bah Soyuz, il est revenu, je crois. Oui, désolé, j'ai un petit. Ah, et donc je disais, donc pour le match donc là que j'ai cité, donc tu verrais bien qui gagnant, je sais pas si t'as entendu. Est-ce que tu peux me répéter le match, parce que je te dis, je t'avoue, j'étais complètement absent. Alors voilà, donc c'est le Money in the Bank Ladder match pour la mallette du World Heavyweight Championship opposant Wade Barrett versus Cody Rhodes versus Damien Sandow versus Dean Ambrose versus Fandango versus Jack Swagger versus Antonio Cesaro. Déjà Cody Rhodes, non, je vois pas. White Barrett, pas trop. Damien Sandow. Bah, après, il y a Ambrose, Fandango, Swagger et Cesaro. Moi, ma préférence porterait vers Damien Sandow. Sandow ou sans ventre, Sandow ou sans ventre. Oh putain. Oh non. C'était Monsieur Jeudou. Ou sans Antonio Cesaro. Bah écoute, moi comme j'ai dit, moi, c'est un miracle. Mais sinon, moi j'avais dit, niveau choix personnel, j'aurais choisi Dean Ambrose, mais c'est dommage parce que ça se pourra pas parce qu'il a déjà une ceinture. Sinon, je pense qu'on va dire niveau logique, et bah après je pense Swagger ou Cesaro. Ouais. Après, à voir quoi. Mais aussi Swagger ou Cesaro, ils sont dans la même team, on va dire, ils sont dans le truc de Zeb Colter, donc... Ouais, je sais bien, ouais, donc franchement, il y en a qui gagne, l'autre il va être jaloux, donc... Ouais. Bah et pourquoi pas après recréer une feud du coup là-dedans? Ouais, peut-être. Enfin voilà quoi. Sixième match de la soirée,
Donc match simple pour le WWE Div. Le quoi le Div? Ah pause pipi. Ah oui. Donc match simple pour le WWE Divas Championship. Putain, pause pipi, elle est ça. Ah non, juste avant le main event. Ah bah là, même pas avant le main event. Je sais pas, c'est de la merde en fait. Donc ce sera AJ Lee, donc actuelle championne, versus Caitlyn. Ah putain, hey, dis donc, j'ai envie de dire, ça change beaucoup en ce moment. Ça bouge beaucoup. Ça, je sais pas, ça fait. Attends, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 3 mois qu'on se paye ce match de merde. Ah oh, bah, espérant que ça soit à la hauteur. Mon état, mec, malgré que j'ai du mal à le croire. Surtout, ouais, enfin, moi, je sais pas, ça me dépite de voir encore un match de terreur peur. Donc pour moi, donc je dis, on a rien à foutre. Voilà. Je pense que ça résume. Ça résume. On en a rien à foutre. Je sais pas, Suyus, t'en penses que... J'en ai rien à foutre. Il me semblait bien. Et Slane? Pareil. Bon, et Bouyaka? Je m'en fous, moi j'irai pisser. Bon, donc, bah moi aussi. On en a rien à branler. Mais sinon pour le principe et de donner une gagnante, on va dire, je dis l'arbitre. AJ. Non, ouais, mais sinon moi je l'arbitre. Le public. Non, moi, sinon moi je dirais Caitlyn, sinon histoire voilà de donner quand même un résultat, moi je dirais Caitlyn. La raison, me demandez pas la raison pourquoi j'ai dit ça, je ne sais même pas moi-même. Parce qu'elle a des gros nénés. Bah, et ensuite, septième match, match Big simple. Bobs. Vas-y, c'est quoi le match simple? D'accord. Bon, alors, ça, match simple, pas de, enfin, voilà, quoi. Pas de surprise, que dalle, pas de stipulation spéciale, que vraiment, match simple. Chris Jericho versus Ryback. Je vois bien partir Chris Jericho sur une victoire. Non. Mais moi je vois bien surtout partir sur une défaite aussi. Moi je vois bien Ryback, ouais. Tout simplement parce que la WWE a envie de le pêcher à mort et je sais même pas pourquoi faire après, mais elle a envie de le pêcher. Bonne grosse défaite pourrite pour Chris. Ouais, moi aussi je pense bien ça. Je sais pas, de toute façon on verra bien. Et toi Soyuz? D'accord. Donc on s'enchaîne voilà. Avec le mémorable match. Ah ouais, allez, bon, on va se retrouver juste après, alors, ah, pour attends, le même barbe match, parce que là... Bah, c'était un. Ah, d'accord. Ah, mais non, mais c'était voilà. Vraiment son avis. Ok. Bah, allez, on achète de suite avec le memorable match, on se retrouve direct après. The French Wrestling Entertainment proudly presents the memorable match, hosted by Taker of Four and the Chairman of the WWE, Booyaka. Rotmond, on se retrouve dans le RE. Ah merde. Première pour le memorabilia match. D'accord, bon, je vais déjà te corriger, parce que tu penses déjà me faire pitié, toi. Alors, c'est le memorable match, voilà. Memorable match. Ok, principe du memorable match, rapidement. C'est ça, voilà. Donc, on commence de suite. Donc, bah, écoutez, ouais, non, je vais sincèrement vous expliquer le principe, parce que là, lui, c'est un bras cassé, et on a un animateur en carton ce soir. Alors, donc, le principe, donc, c'est très simple. Donc, on va prendre donc, un match donc, qui a pu marquer donc, la fédération, bien sûr, WWE, pour que ça soit accessible à tout le monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde la TNA, ni la Ring of Honor, ni les autres fédérations. Donc, un match donc, qui a vraiment marqué donc, la WWE, et on va donc le commenter, débattre dessus, et surtout donc, le regarder avec vous, et à la rigueur, dire ce qu'on en pense après. Voilà. Joyeux Noël. Voilà, tout simplement. Joyeux Noël, bonne année et bonne épiphanie. Sur ce, je vous quitte. Non, je voilà. Rigole. Donc on commence avec le premier match. Donc c'est WrestleMania 22 et Mysterio contre Kurt Angle contre Randy Orton pour le World Heavyweight Championship. C'est à peu près ça, oui. Mais je te laisse refaire un petit peu. Bah je vais juste vite fait pour remettre dans la Fed, voilà. Voilà, je vais juste vous remettre donc un peu dans le contexte de l'époque, parce que bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se souvient donc de l'année 2006, quoi. C'est vrai que c'est assez vieux, quoi. Ça, bah, ça date déjà d'il y a 7 ans, quoi. C'est ouais. Vrai, le temps passe vite. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé donc en l'an 2006? Donc on est au Royal Rumble, et donc Eddie Guerrero donc est décédé en 2005. Rey Mysterio est, on va dire, gravement touché moralement donc par ce décès. Et donc, décide de très très bons amis.
Mais d'ailleurs, il n'y a pas aussi une histoire de... Non, il n'y a pas une histoire de famille entre eux. C'était juste bien amis, quoi. C'est ça. C'est, je confonds avec Chavo, par contre, qui était vraiment donc de la famille de Eddie. Ouais, il me semble. Oui. Mais donc voilà, donc comme Dibou, Rey Mysterio donc était vraiment très proche de Eddie, et donc il décide donc tout simplement donc au Royal Rumble donc de le venger entre guillemets quoi, enfin vraiment que ça soit que le match donc lui soit dédié, voilà. Donc du coup donc on a donc Rey Mysterio donc qui arrive donc au Royal Rumble et qui arrive premier, mauvaise place pour lui j'ai envie de dire, parce que bon premier. S'il a envie de gagner bah oui premier, il arrive vraiment premier en plus. Donc, j'ai envie de... troisième ou cinquième, je sais pas. Non, premier. Et j'ai envie de dire mauvaise pioche pour lui, vu que, bon, bah, s'il veut vraiment gagner, il va falloir qu'il affronte les 30 mecs qui vont suivre, quoi. Et finalement, j'ai envie de dire, bah, c'est un exploit complet, parce que c'est sa première personne qui y arrive. Finalement, il remporte le Royal Rumble et reste pendant 1h02 sur le ring. C'est considérable. Alors. Non. Oui. Il est oui, non. Deuxième. Oh, c'est la même chose, ça va pas nous... Deuxième, premier Triple H. Mais tu vas pas nous faire chier, non? De toute façon, ça va revenir au même, puisqu'au final, les deux doivent s'affronter au départ, et après, il y a forcément des mecs qui rentrent au fur et à mesure. Oui. Donc, ça va revenir au même. Et il a qui rentre premier ou deuxième, heure, de toute façon, c'est... Voilà. 1h02 Voilà, c'est bien, donc tu confirmes ce que je dis. Voilà. Donc bah écoutez, moi je vais vous proposer donc du coup donc de on va commencer donc avec le match quoi. Donc je pense que les liens donc seront donc dans la description, Bou, tu me confirmes ça? Oui, ils seront dans la alors, description. Par contre donc je suis désolé donc pour vous, mais donc le match donc, est en deux parties, donc il y aura une petite coupure au milieu, mais pour la simple et bonne raison pourquoi l'avoir pris donc ce match là alors que j'aurais pu très bien prendre un en une seule partie, tout simplement parce que la qualité est meilleure. C'est juste pour ça. Voilà. Donc au début, donc on va avoir donc un petit rappel donc de la feud justement, et puis vous expliquer donc le contexte de surtout ce qui s'est passé après le Royal Rumble jusqu'à WrestleMania. Donc donc on va ouvrir donc le WrestleMania 22, donc Rey Mysterio versus Kurt Angle versus Randy Orton vers partie 1 sur 2, et puis je pense qu'on va être parti, non? Ben c'est parti, vas-y. Tu me dis bon bah écoute, marche. Allez, bon, je vous fais un compte à rebours de 5 secondes et c'est parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, attends, je vais baisser le son, comme ça on entendra largement mieux. Oui, parce que... Mais ça, c'est vrai, c'est un petit peu fort, quoi. Comme ça, surtout, on va s'entendre parler. Donc, bah c'est un peu mieux. Donc du coup donc je vous rappelle donc le principe donc c'est pour cette match donc chacun pour soi, Dieu pour tous hein, voilà. Donc ici donc on peut revoir donc la victoire donc de Kurt Angle donc sur Mark Henry donc lorsqu'il est devenu le World Heavyweight Champion. Et c'était à SmackDown. C'était à SmackDown oui. Donc au Royal Rumble donc, comme on l'a dit donc voilà donc Rey Mysterio donc qui va arriver donc, pour venger Eddie Guerrero. Vous voyez, il y a quand même voiture à la façon Eddie Guerrero avec le t-shirt Eddie Guerrero avec le brassard rouge Eddie Guerrero. Et finalement, donc comme je vous l'ai dit, finalement il a réussi à faire buter donc tous les main eventers hein, et finalement donc à gagner donc ce Royal Rumble. Donc je le rappelle en tenant plus d'une heure, c'est vraiment considérable. Alors Randy Orton donc qui dit donc finalement donc se met donc devient heel et dit donc de toute façon Eddie Guerrero donc pourrira en enfer, c'est complètement dégueulasse comme phrase, bon c'est la FUD hein, voilà. Et finalement donc c'était donc ça a été décidé donc juste avant, c'était Randy Orton qui au départ devait être le challenger pour le match à WrestleMania 22. Et non pas Rey Mysterio, donc il voulait justement participer à ce match là. Donc justement donc on a Teddy Long donc qui veut clarifier les choses à SmackDown toujours et encore. Et qui dit donc juste non pour une fois non. Et qui dit donc justement donc il a sa chance aussi parce que malgré tout Rey Mysterio donc voulait absolument donc le match pour le World Heavyweight Championship alors qu'il ne pouvait pas. Mais voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc Rey Mysterio tout content parce que Teddy Long donc lui annonce donc que les règles donc sont modifiées et qu'on va avoir un triple threat match à WrestleMania 22 affrontant Randy Orton versus Kurt Angle versus Rey Mysterio. Voilà. Ah, petite promo on va dire histoire de rappeler les je n'ai absolument plus de souffle, je n'ai absolument plus de souffle, c'est pour ça que je parle à la... Donc là, vous voyez que c'est une petite promo pour rappeler les participants et tout ça, et pour faire bah, pour
pour promouvoir le match quoi. Et à vrai dire c'est la première fois que bah non je vais pas spoiler le match, bon, ça allait parler sur non le spoil pas, ne spoil pas. Voilà, ouais, donc on a donc on revoit donc les meilleurs moments donc on va dire donc les meilleurs moments donc de ce qui s'était passé post WrestleMania quoi. Je voulais finir hein. Alors, vas-y. Que 2006 est peut-être une des plus belles années de Rey Mysterio au niveau de la bah, j'ai envie de dire même c'est l'année Rey Mysterio. C'est l'année Rey Mysterio, mais parce que quand je parlais la meilleure année, je parlais au niveau du catch-up, je sais très bien que c'est pas oui, bien sûr. Il a eu d'autres moments de gloire. Bon, on a eu l'attitude des rats, hein, mais... Oui. Voilà. Donc voilà, donc on va donc se retrouver maintenant avec le magnifique stage de WrestleMania 22. Donc c'était à la Allstate Arena, je rappelle, c'était à Chicago. Et pour ce WrestleMania là, c'était un... Bah, rappelez-vous de CM Punk avec... comment il s'appelle ? Living Color ? En live. Voilà. Bah, là c'est la même chose, mais avec... POD. POD, voilà, le groupe qui chante... Thème song de Bouyaka Bouyaka 619, ça s'appelle comme ça. Pas de moi. Donc hein, ouais. Ah oui, on va vous laisser apprécier le son entre guillemets. Ouais. Vas-y, monte un peu. On va monter un tout petit peu, ouais, tant qu'à faire. Malgré que ça. Non, parce que ça va pas. Mais non, mais ça va. Non, mais c'est du live là, boue, c'est du live. Ouais. Mais si. Mais non. Oh. Donc voilà, donc Rémisson d'ailleurs donc il va chercher qui veut ouais là, puis d'ailleurs donc Rémisson donc il va chercher donc son, le reste de son cosplay on va dire. Et qui rejoint le bah ça va j'ai envie de dire il gère bien en live POD. Ouais. Puis moi en fait ce qui me fait surtout marrer c'est qu'il se trouve en haut donc de l'espèce de building du WrestleMania du siège de WrestleMania, ça c'est marrant ça je trouve. Bah avec Rey Mysterio d'ailleurs qui les rejoint. Ouais je parle de WrestleMania 2 où ils étaient sur le stage, le bas. Enfin en même temps de toute façon même s'ils avaient voulu aller sur le pont qui était construit pour représenter le Brooklyn Bridge, en même temps c'était un peu compliqué vu qu'il y avait tous les feux d'artifice là-dessus. Ah moi qui ne tiennent pas envie, mais bon, c'est un autre problème. Ils étaient vrais, ben, là où il y a un vrai mystérieux quoi. Là où ils marchent actuellement. Oui. Juste, pas oui mais c'est, oui, c'est ça que je veux dire, mais en même temps ils avaient voulu aller. Ça c'est la rampe. Simplement. Ouais, avant la rampe. Le stage, tout simplement. Ouais, bon, ben voilà, quoi. Ça fait partie. Hein. Vous regardez WrestleMania. Voilà, ils étaient là. Ça me fait assez rire, par contre, tous les cotillons. Hein. ça fait limite entrer à la fin d'Engo, quoi. C'est oui. Ça, c'est marrant. Ah, donc vous pouvez. J'ai plus le thème. Voilà. On peut admirer donc le fameux cosplay donc de Rey Mysterio, donc style Inca, comme tu me l'avais dit tout à l'heure. Ouais. Avec style Inca. Ouais c'est pas mal, enfin même si moi je trouve que celui qui m'a fait le plus rire c'était quand même celui de WrestleMania 26 si je dis pas non 27 pardon où avec le Captain America on aurait bien un petit adolescent de 12 ans. Ça m'a toujours fait rire. Mais il s'inspire beaucoup des super-héros pour ses costumes. Voilà, oui. Randy Orton donc d'ailleurs avec l'ancien thème. Par contre donc j'apprécie le. On va dire la pyrotechnique derrière Randy Orton, donc à la façon Alberto Del Rio, c'est assez marrant. C'est... Puis même je trouve que ça lui va bien quoi. Oui. Mais le pire c'est celui donc Tony Schimmel. Oui, alors Tony Schimmel donc qui annonce donc que ce match est pour le World Heavyweight Championship, c'est pour Threat Match. Et là, le match sur le sérieux, vas-y. Oui, ben en même temps, ouais, c'est clair, il n'était pas très. Alors par contre, je tiens à préciser par Rey Mysterio, donc c'est la première fois donc qu'il ne possède plus le bracelet avec les initiales EG, donc Eddie Guerrero, parce qu'avant donc il l'avait gardé pendant un très long bout de temps. Enfin, tout simplement, pourquoi il ne l'a plus ? Parce qu'il se l'est carrément fait tatouer sur le bras. Donc là, il a carrément donc les initiales EG tatouées sur le bras. Ouais. Oui. Simplement. Alors arbitre de ce match aussi, on a pu le voir au passage, c'était Charles Robinson.
Moi, pour moi, c'est le meilleur. Hein. Ça reste le meilleur. Oui. Bah, je trouve que c'est un bon petit match qui s'annonce, quoi. Bah, il dure quand même. Bon, puis maintenant, donc, on va avoir. Ouais. Bon, maintenant, on va avoir donc l'entrée donc du champion lui-même, proprement dit. Kurt Angle. Très bon catcher. Et par contre, donc, vous pourrez pas m'empêcher de faire cette fameuse petite connerie quand je vais entendre son thème. Ah oui, oui. Et la pyrotechnie là, elle est. Je confirme. You suck. Bon, je vais arrêter là parce que bon, ça se fait pas non plus. En même temps, c'est une petite tradition, on va dire. Hein. C'est toujours agréable. Bah, donc là, on va avoir donc la pyrotechnie du siècle pour ma part, je trouve. C'est mal. Ils ont mis la dose. Ah ouais, complètement. Là, c'est complètement incroyable. Franchement, ils en ont eu pour leur fric, hein, les mecs qui ont été là-bas. Tiens, on va venir vite fait sur Ryan Rumble, il y a de Ryan Mysterio sur le ring. C'est dur aussi que c'est immense parce que... Mais bouge ton gros cul, merde. Ah oui. Moi, je parlais en Anderson, bien sûr. Mais... Il nous fait chier, merde. Il nous cache la caméra, ce con. Mais regarde ce qu'il fait. Alors bien sûr que tu vas défendre ton chouchou. Tu vas défendre ton chouchou, c'est ça? Oui, oui, il défend votre chouchou. Randy Orton qui défonce le chihuahua. Non, Randy Orton, attends. Randy Orton, il prie. Oh, mais regarde. Non, écoute, non, il n'a pas... Non, je confirme, il n'a pas triché. Il a juste voulu refaire le lacet de sa chaussure et en passant a pris la ceinture pour taper Kurt Angle. C'est différent. Petite dédicace à... comment il s'appelle, merde. Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Au passage, oui, c'est sûr, parce que cette question ne vient pas de moi, mais je la trouve très bien. Oui, moi aussi, j'ai de... Oh mon dieu. Alors l'action de Kurt Angle était simplement énorme. Simplement énorme. Et déjà, comptez 1, 2, et... On pourrait appeler la zone de souplesse arrière, en fait. Mais c'est ça, c'est littéralement ça. Mais regarde comment le chihuahua a volé, c'est énorme. Oui. Donc là, donc on va déjà donc devoir passer donc à la petite 2. Donc je vais... Donc parce que, voilà, c'est en deux parties, donc tu me dis... C'est en deux parties, donc... Donc attends, on fait un petit rappel de ce qui vient de se passer juste il y a deux minutes. Double souplesse arrière de Kurt Angle et... Il y a un compté raté. Et un compté raté de Kurt... De Kurt Angle sur Randy Orton. Orton, voilà. Pardon. mais t'es dégueulasse. Tu sors. Je bouffe des bonbons, c'est pas ma faute. Mais blédard, on devrait. Quand je vous le dis vraiment qu'on a un animateur en carton. Bon, alors, je vais vous laisser donc charger donc la partie 2. J'espère que c'est fait. Je fais le petit décompte de 5 secondes. 5. Vous mettez pause. Oui. Alors, 5, 4, 3, 2. Ah. Voilà. Et voilà, donc là on a Randy Orton qui vient faire un brise nuque sur Kurt Angle. C'est déjà là, le comté qui est mort là, c'est complètement mort. Enfin, je sais pas, il a trop aspiré la Randy Orton sur ce coup. Donc je voulais revenir un peu sur la place arrière, sur Mysterio et les lumières sur un ring. Faut se dire que c'est beaucoup avec la chaleur du spot, avec la chaleur de la salle, parce qu'il n'y a pas que deux personnes. Tu peux mettre... De la foule aussi. Tu... Oui, il n'y a pas de souci. Je vais te faire ça tout de suite. Donc là, Mysterio qui là, il s'attaque à... Oh, il a mis la tête de Kurt Angle dans les... Allez, poteau. Bah, vous dans les tonnes, on va dire. Dans les coronets. Dans les coronets de Randy Orton. Dans les coronets de Randy Orton. Oh là là, il est valé pas dans la caravana. Voilà, il a pris un rouquin caravana. Et t'as vu? Eh, t'as vu comment il l'a envoyé ton chihuahua là? Et deux. Oui, non, simplement deux. Mais t'as vu, mais j'ai remarqué ton chihuahua, c'est très bien volé. Oui, mais ils imitent tout le pingouin comme ça. Je suis d'accord. Oui. Ils font le pingouin à chaque fois. Il faut le pingouin.
Donc je voulais revenir sur les 1h, donc c'est assez dur, sachant avec la chaleur des spots, du public et tout ça, la fatigue. Faut quand même souligner l'exploit quand même pour Rey Mysterio. Donc là, donc on vient de voir, donc je précise, donc un surpassement donc de Kurt Angle donc sur Randy Orton et un compté qui a raté et oh un gros coup de la corde à linge donc de la part de Kurt Angle donc sur Randy Orton, sur Rey Mysterio pardon. Randy Orton. Voilà voilà. Et une droite dans donc, le crâne de Rey Mysterio. A noter que le décor, il y avait encore les têtes des catcheurs en haut affichées. Ah, ouais, et un côté 1, 2, et non, simplement 2, donc pour Rey Mysterio, donc sur Kurt Angle. Donc je dis voilà, les images qui sont affichées, et ça est d'ailleurs en appui, moi je dis ça me manque. Ouais, c'était pas vrai, bon après il y a les écrans, on a la nouvelle technologie. Hein, oui. Et Cavana, non, ciseaux de tête, non, oh oui, ciseaux de tête réussi, donc... Kurt Angle et je pensais à partir de 619 là. Mais non, allez, rate-le Kurt, tiens, reprends. Mais non. Ah, ben voilà. Ça c'est du grand art. Et Ankle lock. Voilà. Ça c'est de l'art. Ah ouais. Non, on a Botchton là qui arrive avec une chaise. Ah oui, et regardez, il y a Rey Mysterio qui abandonne. Et l'arbitre ne l'a pas vu. Mais c'est de l'admissible, il l'a quitté pourtant, il a abandonné. Il a abandonné, il l'a même pas vu. Il retourne un gunlock, vas-y, non, mais refais-le abandonner, chihuahua là. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a Randy Botchton là qui a nous cassé les bips. Il n'avait qu'à pas venir casser les bips, c'est tout. Voilà. Non, il a cassé les coronets. Oui, et comme dit par contre donc, notre public qui est là, c'est un arbitre en carton, Charles Robinson. Je retiens ce que j'ai dit. Et voilà, et on a une souplex maintenant. Deuxième. Et encore une souplex. Non. Ah bah tu vois quand je te dis qu'il vole bien un chihuahua. Et encore une souplex. Eh bah là une souplex sur Orton. C'est parti. On va encore faire une souplex. Kurt Angle qui est un très bon catcher quand même. Non, qu'il l'a fait passer par dessus la troisième corde. Et je ne vais quand même pas reprendre donc ce cher slogan à juste, je vais lui laisser. Et Angle Lock sur Orton, il va taper le Boston. Non, il va pas taper. Mais non, ah non, il va avoir la corde. Ah non, il l'a dans le cul. Ouais, il l'a dans le cul. Allez, vas-y, tape. Oh là. Et là, il tape. Regardez, il y a Orton qui tape. On a encore un arbitre. Mais non. Mais c'est quoi, chihuahua? En plus, c'est un pédé maintenant. Mais voilà, il va falloir prendre un pied dans la gueule, merde. Il faisait un câlin. Mais non, il fait pas un câlin. Voilà, un gun lock. Tu vois, ça, c'est de l'art, un gun lock. Wow. Et Rey Mysterio qui arrive de nulle part d'ailleurs, on sait même pas d'où il est arrivé. D'accord. Il va faire le compté. Et 1, et 2, et 2. Non, 2, simplement. J'y ai cru. Et j'y ai cru aussi. Hein. Malgré que nous, moi pour info, je me doute déjà qui c'est qui va gagner. Enfin, je me doute pas, je le sais. Mais bon, voilà quoi. La ferme. Voilà. On ne spoil pas. Non, je spoil pas, mais c'est pour dire qu'on connaît déjà le match, moi perso j'ai déjà vu, bon ça fait du bien de se le revoir, mais on sait déjà qui c'est qui aille. Et voilà, t'as vu ton chihuahua, et bah il, toi, l'épaule, tu vois, elle amortit rien du tout, c'est directement dedans, il s'est tout pris dans la gueule. Et je pense qu'on va partir donc pour le finisher de Kurt Angle, et c'est parti. Non, mais pas RKO, et pas RKO. RKO d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il s'est mal réceptionné Randy Orton. 1, 2, et... Non, il a mal à la cheville depuis tout à l'heure. 2. Ouais, mais je pense qu'il s'est mal réceptionné tout à l'heure. Au tibia même, je dirais, en fait. C'est pas trop la cheville, je sais pas exactement. Elle est là, par contre, on a failli avoir 3, n'empêche, hein, avec Randy Orton. Oui. Et le public donc qui acclame Kurt Angle et qui veut l'encourager. Et je pense que là on va avoir une action suicidaire encore de la part de Orton malgré qu'il ait sa jambe complètement morte là on dirait. Qui monte sur la troisième corde. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait. Non. Ouais, souplex de la troisième corde. Et on a une souplex de la troisième corde fait par Kurt Angle sur Orton, c'était là par contre c'est une belle action. Rey Mysterio. Oh non. C'est passé. Gros fail. Botch. J'ai envie de dire botch. Tu vois, c'est vrai que là, il... ce qu'il fait. Il baille botch. Eh ben il botch. Ouais, bah, un frog splash, on va avoir le frog splash et le frog splash là qui vient d'arriver. Non.
Et le compter 1, 2, et 3. Non, simplement 2. Simplement 2, simplement 2. On a vu un fail de rank, enfin un fail. Faire un 600 à partir de l'angle quand même, c'est pas non plus... Ouais, mais il a glissé, c'est tout. Attends, tu crois qu'il va y arriver? Mais non, il a pas glissé, il a botché, il est inutile. Et c'est toi qui es inutile, lui, d'où tu dis que c'est mystérieux, inutile? Mais non, regarde, regarde ce qu'il fait là, il l'écrase comme une vulgaire merde. T'as vu ce qu'il lui fait? Qu'est-ce qu'il fait Orton là? Eh ben il l'écrase tout simplement. Et il envoie par la même occasion Kurt Angle, de toute façon qu'il sert à rien ce mec là. En tout cas c'est qui? Mais non, c'est pas n'importe quoi. En tout cas c'est qui a gagné le Royal Rumble 2006? Ouais, c'est ouais, mais c'est un hasard. Je sais même pas comment il a fait, mais je sais même pas comment il a fait. Randy Orton éliminé par qui? Et voilà, et RKO. Regarde là, regarde le RKO qu'on vient d'avoir là par Boston. Pour une fois, il n'a pas botché. 1, 2, et 3. Non. Simplement 2. Tu défends Orton, mais tu dis Boston en même temps. C'est hyper chelou. Oui, mais... Oui, parce que... Mais non, parce qu'en fait, à ce temps-là, à la rigueur, tu vois, je pouvais encore l'apprécier. Mais maintenant, c'est Boston. Depuis, on va dire, les deux dernières années. C'est ça le problème, quoi. Randy Orton, je pense que si elle deviendrait heel, maintenant, tu vois, ça pourrait faire bien. Mais c'est ce qu'il veut. Mais un vrai heel, je parle. Voilà, oh, une souplex, une souplex. Allez. Et 1, 2, et 2. Simplement 2. Simplement 2. Ah. Oh, il est vénère là. Il est vénère, Kurt Angle. Là. Il va le prendre ton chihuahua là. Il va le prendre ton chihuahua là. Non, non, il va pas prendre. Si, 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 ouais. Regarde, regarde. Allez, allez. Non, non. Et non, et même pas contré, contré. Bon, on va voir Ayrton, on va voir 619 là. Allez, allez. Allez, Orton. Allez, mais là, mais what the fuck. Je pense qu'on va avoir le Frog Splash là, qui va enchaîner. Le Frog Splash. Même. Petit paquet, petit paquet. 1, 2, et 3. Je démissionne. Moi, je démissionne. Bouyaka, bouyaka. Big 5-9. Bouyaka, bouyaka. Non, je démissionne. Moi. À noter que c'est la première fois qu'il obtient le World Heavyweight Champion. Chip. Et que c'est quand même immense. Regarde moi ces cons là, regardez ce qu'ils... Oh là là. Dans le public, les mecs se croient bien qu'ils me têtent tout comme ça. Ça fait peur aux gosses, que... des mecs comme ça. Que... Non, 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 mais c'est vrai que c'est un peu grand, tu vois. Tous ceux qui sont derrière, bah ils se grattent. Là, le mec, ouais, il a gâché les 20 prochains rangs qui sont mis derrière lui. Et à noter aussi, donc, comme le dit notre cher public, qu'il y avait un arbitre carton. Parce que moi je suis désolé, c'était un... En plus on l'a vu, il a tapé. C'est une merde, il a tapé. Je suis désolé. J'y retourne aussi, il a tapé. Si, il a tapé, je l'ai vu. Si, il a tapé, je l'ai vu. En tout cas, on peut dire moi, je l'ai vu. Mais bon, malgré tout, c'est sûr, on peut quand même lui dire que... Bon, il a volé le match. Il a volé le match, tout simplement. Non. Il a volé le match. Si, si, il a volé le match. Il n'a rien voulu... Non, il n'a rien voulu de tout. Il a abandonné, mais l'arbitre ne l'a pas vu. C'est la faute de l'arbitre. Mais c'est un arbitre en carton. Mais comme lui, c'est un catcheur en carton, il l'a abandonné. Non, c'est pas un catcheur en carton. Par contre, c'est sa simple question. Attends, mais c'est simple question. Donc là, on voit la fille de Rey Mysterio au passage. Mais et la famille d'ailleurs de Rey Mysterio au complet. Mais c'est moi ou il pleurait Rey Mysterio même? Bah, il semblait qu'il pleurait dans les dernières secondes. Ouais. Il me semble... Ouais, bah attends, gagner un titre comme ça aussi, c'est pas non plus... Ah, c'est pas non plus, on te donne une coupe, tu vois. Oui, c'est sûr. Ça reste quand même un des plus... Ben, ça reste le plus grand titre de catch connu au monde. Et voilà, quoi, l'avoir dans les mains, c'est peut-être déjà un truc immense pour lui. Mais bon, surtout aussi, si... Sachant que c'est la première fois, et surtout aussi, donc, qui, on va dire, qui venge, entre guillemets, comme j'ai entendu tout à l'heure, son ami toujours, Eddie Guerrero, oui. Quoi. Bah, sachant que ouais c'est ça reste quand même, comment on peut dire ça, une mémoire, non, une, ça reste on va dire, comment tu veux dire ça, je comprends ce que tu veux dire, mais bon, c'est, on va dire, comme un trophée quoi qu'il lui offre en, voilà, en revanche quoi, on va dire ça comme ça. Bon bah niveau ma vie globale de ce match, donc je vais un peu sortir de ma défense, ouais, on va dire Ouais, je vais sortir de ma défense, on va dire, Orton, Angle, et de mon anti Rey Mysterio. Bon, ce que j'ai à dire là-dedans, bon, bah, moi, je trouve que c'est un bon match quand même, et puis bon, il a marqué quand même l'histoire, sachant quand même que c'est la première fois que Rey Mysterio, donc, a le titre, et puis bon, moi, c'est tout ce que j'ai rajouté, un bon match, quoi.
C'est sûr, ça peut faire bizarre pour certains qui disent ouais, il est tout petit, nanana, World of Warcraft Championship. Mais bon, regardez comment il s'appelle. Ouais, après moi j'aurais juste ça à reprocher quoi. Oui, mais justement. Oui, justement, Hearthswoggle, justement, lui, c'était le Cruiserweight Championship. J'y arrivais, le Cruiserweight Championship. Mais même si j'avoue que c'était complètement abusé parce que Hearthswoggle donc n'a rien à catcher, mais c'est vrai que... Alors, attends, par contre, ce que je vais juste aller faire, parce qu'en fait, moi, il y a un truc, en fait, qui me choque avec Remusta, c'est que dans le on va dire, dans le championnat du monde poids lourd, il y a le mot poids lourd. Et c'est ça qui me gêne, en fait, parce que, bon, il n'a rien d'un poids lourd, Remusta, à moins que je me trompe et qu'il fasse 100 kilos. Mais il me semble pas, franchement, non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, je sais bien qu'il est fait avec beaucoup de muscles, mais non, il fait 80 kilos. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu 20 kilos d'écart, mais bon... Après, dans ce cas-là, il aurait fallu lui donner le WWE Championship, mais comme il n'était pas dans la catégorie Raw, je vois pas l'intérêt. Sachant que, certes, après moi je me suis dit c'est plutôt un souci au niveau du nom de la ceinture, quoi. Ouais voilà, mais c'est surtout aussi parce qu'à l'époque faut y penser, il faisait pas trop attention donc on va dire au poids des catcheurs, il y avait pas trop de catégories comme ça, poids lourd ça pouvait être limite en soi gueule aussi quoi. Et il faisait pas trop attention malgré que moi je trouve c'est un peu con et maintenant ils font plus attention à ça. Donc je pense que maintenant si ça devrait se refaire, Rey ne serait plus champion du monde poids lourd quoi. Il serait plutôt champion de WWE mais plus poids lourd quoi. Ouais. De toute façon je pense voilà, qu'il sera champion un autre jour quoi. Non. Non, pour maintenant c'est fini. Voilà quoi. Voilà. Sinon, moi c'est tout ce que j'ai à dire ce match, c'est que c'était un bon match et que je pense qu'il restera quand même dans les mémoires, on va dire. C'est pas qui va y rester quand même, c'est sûr et certain, il va rester premier titre Rey Mysterio. En plus de ça, il gagne le Royal Rumble la même année et il y reste le plus longtemps, il bat le record. C'est quelque chose d'immense quoi. Ouais c'est sûr. Donc par contre donc comme je pense que tu feras que tu vas poster donc le pod que tu vas te débrouiller donc pour le poster avant donc le prochain pay-per-view qui est Money in the Bank. Et dimanche, dans quelques... Ouais donc je pense que tu vas le publier avant. Je publie à la fin du pod. Ok d'accord. Je donc fais le montage juste après et je publie à la Ok, donc alors donc justement donc je tiens donc à vous le dire, donc le prochain match donc on avait choisi un Taker versus HBK, soit WrestleMania 25, soit WrestleMania 26, et dans ce cas là je vous laisserai choisir au prochain Before the Show le lundi avant Raw, donc lundi prochain. Donc le 15 ouais, juillet. Ça reprend bon pardon, juste après dans la rubrique juste oui, après. Oui c'est là, sûr. Mais voilà, donc je tenais à le dire. Voilà, c'était tout. Voilà, moi j'espère que la rubrique vous a plu et on se retrouve là juste dans quelques secondes pour la fin du pod. Allez, bon bah à tout de suite les gens. Et maintenant, place au partenaire de la FWE avec le président Bouyaka. Alors, tout le monde, on passe au partenaire et tout le reste. J'espère que la rubrique vous a plu, j'espère que le pod vous a plu. On vous remercie tous de nous suivre de plus en plus. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Pareil pour le Wrestling Network qui avance très très vite. Au niveau des dons aussi, c'est magnifique tout ce qui s'est passé. Bah déjà on en est maintenant à 65 euros il me semble, c'est bien ça? Oui, 65 euros. Bon, on en a à 65 euros, donc sachez-le, pour ceux qui pourraient nous faire quelques critiques, on n'est pas en retard au niveau du Lulé, non. On n'est pas du tout en retard, on est même dans les temps et on a même de la marge, donc pour l'instant, donc c'est très bien. Ouais. Donc je vais passer au partenaire, je tiens à remercier déjà donc UWI. Putain je sais même plus, il faut que je mette à jour les partenaires parce qu'il y en a qui s'en vont, il y en a qui viennent. La KPW. La KPW, le WL, enfin bref, vous savez quoi, j'ai pas envie de faire. Bah après mais moi je vais te dire, après il y a le catch et mon dada. Le catch et mon dada en effet. Il y a match de catch. Masque, ah oui, d'ailleurs faut que. Il y a Slime. S'en fout, suivant. D'accord, au revoir. C'est juste magnifique, c'est kiffé.
Après, bah, écoute, je pense que c'est tout pour maintenant. Il me semble plus qu'il y a autre chose. Ça va. Partenaire, tu vas écouter le pote d'avant. Ah, une prédiction de notre bout. Hein? Bah t'as, ouais. Non, mais t'as eu une montée de ping tout à l'heure. Une jolie petite montée de ping, c'était mignon. T'es à 1500, 2300, 2000, 3000, 4000, allez 4000. T'es monté à 4000 de ping. Bah c'est pas mal, alors attends, ça redescend. 2013, ouais, 1500, 1200, 1800, 600. Désolé, je pense que vous allez pouvoir nous parler. Ouais, voilà. Celui-là. Désolé du coup. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que vous se fait des DOS, donc c'est une attaque informatique. Les petits malins qui ont rien d'autre à faire que de faire ça. Donc c'est-à-dire que ça fait monter votre ping, c'est-à-dire les flux que vous recevez, donc ça fait très mal à votre box et aussi à votre connexion internet. Et au passage, on les remercie beaucoup. D'ailleurs, ouais, donc sinon, donc, qu'est-ce qu'on a déjà à dire de quoi? Vous êtes des gros idiots parce que vous avez même pas réussi à me faire crash, bande de noobs. Donc sinon, donc, au passage, donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire de quoi? Donc t'avais oublié Slime à dire? Oui, par contre il y a un décalage ou c'est moi? Donc tu as oublié Slime? Non, non, c'est bon. Et, ah, si, décalage, et ensuite, je pense que tu peux... Ouais, et ensuite, donc tu peux aussi remercier au passage, je pense, SBO. SBO, oui, en effet, qui fait du très très bon boulot sur le Cine Network. Et voilà, et au pire j'ai la merde. Mais très bon boulot. Et je la remercie encore, de toute façon, voilà. Pour le Cine Network, l'ouverture va être... au complète, je vous dis, Ike, on va faire un maximum concours live, etc. On a Soyuz qui se tape, mais gros, c'est marrant, c'est pas pour toi. Soyuz, t'as des explications? Regardez le dernier statut de Shanna et regardez, oui, le dernier commentaire. Je vais aller voir. Il est priceless. Voilà. Allez, bref. Bon, je vais aller. On se quitte là, on se retrouve après Money in the Bank. On se retrouve aussi pour The Show. Bah on se retrouve, c'est pas qu'on se retrouve déjà après Money in the Bank, c'est qu'on se retrouve déjà dimanche partir de quelle heure, Slime? À partir de 20h pour tous les matchs Money in the Bank. Tous les matchs Money in the Bank et puis à 23h30 pour le live TS, on va dire. Ouais, en gros, bah voilà. L'heure de départ. Non, même pas, non, je demandais mieux aussi l'heure des matchs. Donc la prochaine fois, tu fermes ta gueule quand tu sais pas. Ah, voilà. On se quitte sur une musique et on se retrouve la semaine prochaine. Et voilà. Non, ah oui. Je suis un moustachu. À dimanche tout le monde. À plus tard. Je suis un moustachu. Yeah. Et oui, moustachou.